Il est très important que le Grand Assemblée remporte ces élections pour que demain, nous ayons vraiment une situation qui réponde aux besoins du peuple martiniquais, surtout répondre au chômage et la santé. Je suis professionnel de la santé. Je peux vous dire que la santé martiniquaise est en danger. Nous avons de plus en plus des hôpitaux qui sont dans une très grande difficulté, avec un manque de matériel, un manque de personnel. Et nous avons aussi une grande action à mener au niveau social, surtout au niveau de la famille. La famille martiniquaise est désunie. Il y a un grand gouffre entre les personnes âgées et les jeunes. Nous avons de plus en plus une école qui est en échec. Donc il convient de faire une politique qui remette en confiance notre jeunesse, qui remette en confiance les parents pour que ces jeunes sortent de cette difficulté.